Conseil des ministres, Adraduin, on appelle au calme. Le président Adraduin a parlé d'une tentative de déstabilisation politique hier en Conseil des ministres à Yavlo. Le pays malgache fait face à de nombreuses difficultés nées des différentes crises successives, aussi bien au niveau national qu'international. Il serait inutile d'ajouter une nouvelle crise politique susceptible de compromettre les efforts d'apaisement. Notre nation ne mérite plus une instabilité sociopolitique, a indiqué le chef d'État. Le président de la République invite le peuple à un élan de solidarité afin de poursuivre les efforts consentis pour redresser le pays. Nul n'a intérêt à déstabiliser le pays, a-t-il ajouté. Dans la foulée, le Conseil des ministres a lancé un appel au calme à tous les citoyens et à la prise de conscience des acteurs politiques, élus comme nommés, et à se donner la main pour sauver Madagascar et non pour le détruire. Études supérieures, la France, destination phare des étudiants malgaches. La France fait partie des destinations les plus convoitées des nouveaux bacheliers de Madagascar pour leurs études supérieures. 75% des étudiants malgaches privilégient en effet l'Hexagone. D'après l'ambassadeur de France à Madagascar, son Excellence Monsieur Arnaud Guillois, en marge de l'ouverture de la 7e édition du Salon des études en France qui s'est tenue à l'IFM d'Analakel aujourd'hui. Il a rappelé qu'avec 4667 étudiants malgaches actuels, la France reste le premier pays d'accueil des étudiants en provenance de Madagascar. De plus en plus nombreux, 75% des malgaches qui font leurs études à l'étranger le font en France. Donc il y a une attractivité qui est naturelle, mais l'attractivité, elle se construit. Elle se pérennise. Il y a un lien historique, on le sait, mais ça ne suffit pas. C'est tout simplement parce que je pense que les prédécesseurs, donc les grands frères, les grandes sœurs, ont réussi leurs études en France, ont ensuite obtenu un emploi, sont revenus travailler à Madagascar. Je pense que ce sont ces exemples qui font aujourd'hui que les jeunes générations sont attirées pour venir faire leurs études en France, à Bordeaux, à Strasbourg, à Poitiers, à Paris, et puis... Voilà, la France est un pays extraordinaire. Alors, je suis peut-être pas le plus objectif pour dire cela, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment, depuis fort longtemps, une diversité de choix tout à fait essentielle. Et la vie d'un étudiant en France, elle est quand même très agréable. Bien sûr, il faut beaucoup travailler, mais on a une vie culturelle, on a une vie associative qui fait que vous n'êtes pas seulement étudiant, si j'ose dire, vous êtes déjà un adulte avec une inclusion dans la vie économique, sociale, de la France, mais j'allais dire, peu importe, vous préparez à l'avenir. Et je dois dire aussi que la présence d'une communauté malgache en France, il y a près de 100 000 malgaches en France, constitue aussi un pont qui peut aussi faciliter la venue de jeunes étudiants malgaches dans l'Hexagone. Par la même occasion, l'ambassadeur de France a apporté quelques précisions sur l'obtention du visa pour étudiants. Un dossier complet, il passe comme une lettre à la poste. Voilà. Les dossiers qui sont compliqués, c'est des dossiers qui ne sont pas complets. C'est des dossiers qui font que l'étudiant n'est pas forcément bien orienté. Donc un dossier complet et bien préparé, il passe comme une lettre à la poste. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Et on a une procédure accélérée pour les étudiants, y compris parfois quand ils sont un petit peu en retard. On leur facilite considérablement les choses pour qu'ils puissent arriver avec suffisamment d'avance pour pouvoir trouver, pour pouvoir emménager, pour pouvoir se préparer. Donc la question des visas, à partir du moment où le parcours il est construit, il ne se pose pas. Le Salon des études en France met à la disposition des visiteurs des stands d'information et de conseils sur les modalités et procédures d'inscription à des études supérieures en France. EPP Miansoarivu Arivumam, trois nouvelles salles de classe. L'association Madagascar Development Fund a fait don d'un nouveau bâtiment scolaire de trois salles de classe équipées de mobilier scolaire à l'EPP de Miansoarivu dans le village enclavé de Miansoarivu Arivumam. MDF a de nouveau obtenu un financement de ses partenaires Adsum Foundation et Gilbert H. pour ce projet dont 576 élèves en bénéficieront. La nouvelle infrastructure a été inaugurée mardi 6 décembre par les autorités locales conduites par le député élu d'Arivumam et le directeur régional d'ITAS de l'éducation nationale, assisté des autorités locales et de la représentante de MDF.